Le 30 août 2021, Gil Alma annonçait sur Instagram une grande nouvelle qui allait bouleverser sa vie personnelle et familiale, son divorce. En effet, l'acteur que l'on peut suivre dans la série à succès de France 2 César Wagner révélait à ses abonnés sa séparation avec sa femme en ces termes, après 15 ans, notre histoire avec Aminata s'arrête. Nous avons eu deux magnifiques garçons, Charlie et Sacha, note de la rédaction, et si est-il la plus belle chose qui nous soit arrivée. Dans ce post chargé en émotions mais sans aigreur, l'ancien comédien de la fiction humoristique de TF1 Nos chers voisins analysait, il faut du courage pour passer le pas, pour s'avouer toute la vérité, si terrible. Les trois derniers mois ont été sombres, mais la lumière pointe. Et bizarrement, comme un signe d'espoir, comme si quelqu'un me disait qu'il faut encore croire à l'amour, je jouais et je joue un spectacle, Gil et Ben, réunis, note de la rédaction, dans lequel je me marie. Aujourd'hui, dans une interview parue ce mardi 5 octobre dans le magazine Nous Deux, Gil Alma poursuit sa réflexion et perçoit son implication dans cette pièce comme justement un signe. Gil Alma croit encore en l'amour malgré sa très récente séparation avec sa femme Aminata. Je crois beaucoup aux signes, assure Gil Alma. Mon divorce n'est pas une défaite en soi. Ce sont deux chemins qui se séparent, et l'amour reste possible. Je ne suis pas du tout frustré. Je ne vois pas les choses d'un mauvais œil. Je crois vraiment en l'amour avec un grand A. Sans amertume, donc, Gil Alma espère trouver un jour sa future moitié. Et si est-il bien là tout le mal qu'on lui souhaite ?